Ça, c'est le tableau que veut vous offrir Monsieur Dominguez, pour se faire pardonner de ne pas être venu au dîner de l'autre soir. Et ce tableau? C'est une œuvre de Salvador Dominguez. C'est un nouveau peintre. Il doit valoir beaucoup d'argent. La cargaison va arriver demain. Jusqu'à présent, aucun imprévu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et elle vaut bien 5 millions de dollars, non? Absolument. Et ce que j'aimerais faire, c'est investir dans votre entreprise. L'idée me plaît, mais il me faudrait l'argent tout de suite et non pas après que vous ayez vendu. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Si c'est le cas, alors l'accord ne m'intéresse plus. Entendu. Vous aurez vos 5 millions demain, sans faute. En échange d'un service. Vous ne pensez pas que ce que je fais, c'est suffisant? Je ne peux pas encore mettre la drogue sur le marché. Il faut que je l'entrepose. Et puis, il ne faudrait surtout pas oublier que la police a été informée de la dernière cargaison. Exécutive Air Solution. Victor Ruiz, président. Monsieur Victor Ruiz, Martin Acero, il faut que je vous parle de toute urgence. Monsieur Ruiz? Ah, monsieur Acero, ça faisait bien longtemps. En quoi puis-je vous être utile? Oui, voilà, il me faut un avion privé. Il se trouve que j'ai un voyage d'affaires extrêmement urgent et voilà, j'aimerais savoir si je peux compter sur vous. Mais bien sûr que oui. Comme je vous l'ai déjà dit lors de votre soirée, c'est avec grand plaisir. Et vous aimeriez partir quel jour? Aujourd'hui même. C'est possible? C'est une question de vie ou de mort. Le fait est que je n'ai rien de disponible avant demain. Demain? Non, demain ce serait déjà trop tard. Non, il faut que ce soit aujourd'hui. Je vous serai éternellement reconnaissant et en plus je suis prêt à payer le double du prix si nécessaire. Écoutez, monsieur Acero, j'ai un avion qui est disponible, mais il se trouve dans un aéroport à Woodbury. Si jamais vous souhaitez vous y rendre, c'est à peu près à une heure de la ville, en allant vers le nord. Très bien, je peux me déplacer, aucun problème. Eh bien, dans ce cas, monsieur Acero, je vous le réserve. Je les appelle immédiatement, je vais les contacter de ce pas pour demander l'autorisation de vol. On n'a qu'à dire pour 18 heures. Très bien, faites le nécessaire, je mets en route tout de suite. Ce n'est pas du tout légal, Jimmy. Angel et Manuela vont se tenir à l'écart de l'opération et des arrestations. Inspecteur, je veux être présent. Quand tout sera terminé, je veux être là pour voir Martin. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Cette ordure a été la cause de tout ce qui nous est arrivé. Et j'ai vraiment besoin, inspecteur, j'ai besoin de voir de mes propres yeux quand vous allez lui passer les menottes. D'accord. Mais il faut que vous restiez bien à l'écart et sans interférer en aucune manière. Vous avez notre parole. Bien. Allons-y.
Allô? Oui, absolument. J'appelle pour confirmer un vol. Martin Acero et Graciela Acero. Oui, parfait, j'attends. D'accord? D'accord. 2 heures plus tôt à l'aéroport LaGuardia. Très bien, je vous remercie. Maman? Maman, écoute-moi bien. On va partir tout de suite. Fais ta valise. On va prendre un avion privé. Allez, maman. Tu n'es pas contente, mais enfin. On va réaliser ton rêve, prendre un avion tous les deux. Parfait. Je compte sur toi, je suis là dans 5 minutes. Je suis prête. Bonjour. J'aimerais signaler un accident qui vient d'avoir lieu. S'il vous plaît, prenez note de l'adresse. Oui, c'est ça, c'est une des maisons au bout de la rue à droite. Merci. Dépêchez-vous. Voilà, le type vient d'arriver. Ils sont sûrement en train d'attendre Martin. Voilà le camion de la compagnie de Martin. Il est passé où, cet imbécile d'Acero? Nous avons encore 5 minutes à attendre, Prince. Il va sûrement arriver. Le camion est déjà là. Et Léon, il est où, Léon? Bah, aucune idée.